Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ma nouvelle vidéo concernant le Titanic qui va reprendre la mer en 2020. Alors, le Titanic il va reprendre la mer en 2020. En fait, c'est un nouveau Titanic qui a été fait par un monsieur, que je vous dirai le nom après. Il va suivre le même itinéraire que le premier, c'est-à-dire en fait, si ça se trouve, il va peut-être couler comme le premier, hein. En gros, c'est un milliardaire australien qui a fait la réplique exacte du Titanic, sauf qu'il a modifié des trucs en tout ce qui est lié technologie en fait. Apparemment, il prendra la mer en 2020, donc l'année prochaine, 110 ans après le naufrage. Il a été construit en Chine, donc pour dire la véracité, il s'appellera le Titanic 2. Il embarquera autant de passagers, 2400 personnes, et membres d'équipage, 900 personnes. Par contre, en revanche, concernant au bateau de naufrage en 1912, excusez-moi. Le Titanic en 2020 sera doté d'outillages de navigation moderne, aussi léger que plus large, afin d'être stable. Plus large que son aîné en 1920, le Titanic sera doté d'outils de navigation moderne. Alors en fait, en gros, il va couler, mais avec des trucs modernes. Le bateau partira de Dubaï pour relier à Southampton en Angleterre afin de naviguer en direction de New York, suivant le même itinéraire que le Titanic originel. Comme l'ancien bateau, le paquebot en 2020 pour embarquer 2400 passagers. Alors, ça vous dit de venir dans le nouveau Titanic en 2020 et puis couler, puis faire je vole! Et puis après, vous allez mourir. Voilà. Bon, pensez à liker et commenter cette vidéo. Pensez à la partager autour de vous. Si vous voulez acheter des billets qui sont à 2000 euros la première classe, hein. Et normalement, les 3 classes, je crois que c'est à 4 500 euros quoi. Voilà. Donc je vous invite à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Merci aux personnes qui me soutiennent. Allez, à plus.